Ok. Bonsoir, bonsoir, chers amis, bonsoir, chères sœurs, chers frères. Alors, on va continuer notre conversation d'hier. Nous allons revenir aussi sur les propos tenus par Babo, qui soutient le coup d'État dans la sous-région. Alors, on va parler de ça. Je pense qu'aujourd'hui, on va bien se comprendre et puis on va mettre fin à tout débat. Alors, chers amis, le thème, candidature de Laurent Gbagbo, un gros piège au RHDP. Un gros piège au RHDP. Candidature de Laurent Gbagbo, un gros piège au président Ouattara et au RHDP. Gbagbo Laurent, les coups d'État militaires sont la réponse aux coups d'État civils. Alors, chers amis, comme d'habitude, partagez la vidéo. Vous savez qu'on est tous signaler, moi-même là, souvent même, je suis très content. Depuis, je suis devenu l'ami de tous les Maliens. Quand il me réveille le matin, je suis sur vraiment toutes les pages du Mali. On parle des assauts, jusqu'à ils prennent maintenant les vidéos de nos ennemis pro-Soro, les mettent sur les pages. Depuis, en tout cas, beaucoup de Maliens me connaissent. En tout cas, c'est un honneur. C'est un honneur, ça prouve que je fais un excellent travail. Ça prouve que mon message passe à travers le monde entier. Je suis partout. Je vois des pages où on parle des assauts, assauts, assauts. Je voulais dire merci à tous ces pro-cyberactivistes. Parce que ça aussi, ce sont les conséquences du combat généralement, c'est ça les vraies conséquences. Là où on pense que tu n'es pas partant, là-bas aussi, il faut ta pub. Alors, merci pour toute cette publicité que vous faites pour assauts. Merci parce que je suis content que chaque jour, je sois sur toutes les pages comme ça. Ok, on va revenir au débat. Candidature du Laurent Gbagbo 2025, un gros piège au RHDP. D'abord, on va aller à l'essentiel. Laurent Gbagbo, les coups d'État militaires sont la réponse aux coups d'État civils. Mon frère Jean Bonnet a fait une très bonne analyse. Ce matin, je suis allé sur sa page, j'ai pris un peu ce qui est important dedans. Donc, on va parler de ça parce que Gbagbo a parlé, il a donné des exemples sur le Libéria et le Ghana qui sont des pays démocratique, où il n'y a pas de coup d'État. Mais ça m'a fait quand même rire. Gbagbo, par exemple, sur Ghana et Libéria. C'est pour ça que lui, il a décidé d'être candidat. Ah, alors, chers amis, le débat ouvert. Beaucoup m'appellent, il faut que Gbagbo soit candidat. Gbagbo est candidat. Il faut que le président Ouattara soit candidat. Gbagbo est candidat, le président Ouattara doit être candidat. Chers amis, moi, je suis clair. Je vais d'abord vous faire écouter le chef de l'État. Les circonstances de la candidature du président Alassane Ouattara. C'est devant nous tous le président Ouattara parler, même Macron. Macron même, obligé de prendre la parole pour dire au monde entier que le président Ouattara, voilà, 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 voilà. Voilà pourquoi le président Ouattara est devenu candidat. Les gens appelaient Macron. Nous tous, on a convaincu le monde entier. Ce n'est pas nous qui allons tomber dans le jeu de Babou, ce n'est pas possible. Ce n'est pas nous là qui allons tomber dans le jeu de Gbagbo, ce n'est pas possible. Quand tu es dans un combat politique, il faut avoir les yeux. On ne reste pas dans l'émotion. Parce que je vois sur les pages de beaucoup de nos militants et qui m'appellent, Zasso, il faut que le président Ouattara soit candidat parce que s'il est candidat, on aura la paix, on aura la stabilité. Mais vous vous moquez de vos militants, de vos cadres du parti. Les cadres, là, quand on parle ici, vous n'avez pas dit que vous aimez les cadres plus que moi. Vous n'avez pas dit que vous, vous aimez les cadres plus que moi. Quand moi je parle là, c'est pour que les cadres se mettent au travail. Parce que moi, je suis RHDP. Moi, Zasso, là, j'ai été porte-parole de Ouattara. Je connais mon système politique dont je parle. Donc, moi, quand je dis, les cadres n'ont qu'à travailler là. C'est là qu'on arrive là. Où on arrive là, c'est 2025. Hein. Vous pensez qu'on est contre, on n'aime pas les gens. Aujourd'hui, c'est vous qui dites, le président Ouattara doit être candidat. Mais les cadres là, pourquoi il ne peut pas être candidat? Les cadres ne peuvent plus être candidats. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas confiance en vos cadres. C'est triste. Et puis, ça fait pitié. C'est-à-dire que vous n'avez même pas confiance en vos cadres. Moi, j'ai confiance en eux. Parmi eux, là, on va choisir quelqu'un. Le président dit qu'il a une douzaine. La demi-douzaine, là, on va prendre au moins 3, 4 ou 5 dedans. On va les mettre sur le terrain. On ne va pas attendre les derniers moments. Hein. Non, non, non. On ne va pas attendre les derniers moments. C'est-à-dire à moins de 2 ans et demi, 3 ans, après les... Ah, ça dit, après les municipales, normalement, on doit avoir 3 candidats sur le terrain. Pour ne pas qu'on soit surpris.
comme on a été surpris pour Amadou Gon. Cette fois-ci, là, c'est nous-mêmes, on va dire au président, lui, là, il est bon. Lui, là, peut faire notre affaire. Lui, là, peut faire notre affaire. Nous, on a les yeux, on voit. Donc, je suis là pour dire aujourd'hui aux militants, aux sympathisants, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, que 2025, là, c'est quand Gbagbo a dit, là, nous, on ne va pas tomber dans le jeu de Gbagbo. C'est pas possible. Moi, je sais où Gbagbo va. Moi, là, je sais où Gbagbo va. Je sais où Katina va. Je sais où Damana Picasso va. Je sais où ils vont. Hein. Moi, je connais leur voix parce que je les suis de près. Gbagbo s'est débattu pour sortir de la CPI rapidement. Est-ce que vous savez comment Gbagbo s'est débattu pour être là? Il est rentré à Abidjan. Il sait. Gbagbo, c'est quelqu'un qui ne pardonne pas. Gbagbo, là, il ne pardonne pas. Donnez tout ce que vous voulez à Gbagbo. Mais pour lui, là, son pouvoir, là, il dit c'est nous, c'est nous, c'est nous. Il dit c'est nous qui avons fait que Luc Gbagbo, il a perdu le pouvoir. Il nous dit ça chaque jour. Les Damana Picasso, dans leur tournée politique, partout, ils accusent Gbagbo. Tous les Bleu Goudé Charles, là, c'est nous, ils accusent. Tous les Damana Picasso, c'est nous, le RHDP, ils accusent. Non, ils ne vont jamais nous pardonner. Même Bédier ne va jamais nous pardonner. Faites tout ce que vous voulez, ils ne vont pas pardonner. Ils savent ce qu'il y a dans le pouvoir politique en Côte d'Ivoire. Ils savent. Ils savent, Gbagbo a fait par là, ben, Guéhi Robert. Et Guéhi est même mort dans ça. Il a perdu sa vie dans ça. C'est Gbagbo là qui a vu se lever un matin, puis va dire, ça va, allons-y. Ceux-là, les Gaules, c'est des rancuniers. Leur échec là, ça dit, ils ne tirent pas encore les leçons de leur échec. Ils n'arrivent toujours pas à s'asseoir pour reconnaître qu'ils ont échoué. Et c'est ça le vrai problème, hein. C'est ça le vrai problème. Il y a beaucoup d'entre eux avec qui je fais des débats. Je dis, mais vous avez échoué, reconnaissez votre échec. Et puis on avance. Dans leur seule tête, là, il faut que comme eux, ils sont allés à la CPI, le président Ouattara doit aller à la CPI. Ça dit, eux, là, la voix, ça dit, il faut qu'une situation arrive au président Ouattara. Pour que eux, là, ils soient, ça dit, qu'ils soient libérés. C'est moi, je vous dis ça. Je touche du doigt. On a quand il y a une situation ou coup d'état ou quelque chose encore, vous allez les voir. C'est ce jeu-là que vous voulez jouer. C'est ce jeu-là que vous voulez jouer. Par exemple, Gbagbo a dit des candidats. Moi, je vois des gens déjà qui ont fait des posts, qui ont fait des choses, comme on appelle des annonces. Ils ont fait des flyers, ils ont fait beaucoup de choses. 2025, Ouattara notre candidat, Ouattara ceci. Arrêtez vos bêtises là. Moi, je vous dis la vérité, arrêtez vos bêtises. Depuis des années, quel coup le président Ouattara n'a pas pris à cause de vous? Quel sacrifice il n'a pas fait à cause de vous? Il va passer toute sa vie à faire des sacrifices pour que vous continuez d'être heureux, manger seulement, être à l'aise. Non. Il est maintenant temps pour que vous-même, vous vous levez pour vous occuper aussi du vieux. Le président Ouattara aussi a besoin de vous. Il a besoin de vous. Ah non. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous dormez. Je comprends pourquoi vous tous autour de lui, vous ronflez, vous tous. Parce que pour vous, comme il est là, ça vous arrange. Mais c'est un humain. Son corps là aussi, ça peut être fatigué. Vous êtes là, souvent il prend bien, il vient en Europe, il va se traiter, il va faire ceci, il est partout. Amadou Gon, Ahmed des Moyes, il se stresse, il est partout. Quand Amadou Gon vivait, Ahmed vivait, là, il se reposait un peu. Aujourd'hui, les deux sont morts. Mais il faut qu'on se réveille pour qu'on trouve des hommes. Il faut qu'on se réveille pour qu'on trouve des hommes. C'est pas à nous de dire non. Chers amis, partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Ils sont en train de signaler la vidéo. Maintenant, c'est les RHDP qui signalent ma vidéo. Ils sont maintenant comme les pro Assimi Goïtaou. Quand tu dis des choses, au lieu d'ouvrir les yeux pour qu'on comprenne ce que ça soit en train de dire, et c'est les émotions. Moi, je ne vais pas tomber dans votre jeu, je suis vraiment désolé. Chers amis, on va se dire la vérité. Ceux qui parlent de la candidature du président Ouattara, ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête. Ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête. À partir d'aujourd'hui, enlevez ça dans votre tête. Parce que vous n'aurez pas le soutien de qui que moi, personnellement, je ne vais pas vous soutenir. Le président Ouattara ne va pas vous soutenir. C'est moi qui vous dis ça. Il y a certains de vos cadres qui sont allés faire meeting dans des régions. Après meeting, il y a un qui a pris le micro. On a qu'à se battre pour que Ouattara soit candidat en 2023. Le président Ouattara l'a interpellé. C'est moi qui vous dis ça. Quand vous ne savez pas, on lui a dit. Quand on n'a pas encore envoyé quelqu'un que Ouattara veut faire candidature 2025, s'il vous plaît. Arrêtez votre truc. Quand vous allez sur le terrain, parlez de vous-même. Laissez le président tranquille. Le président a actuellement 2 ans, 3 ans pour boucler son mandat. C'est ça là qui doit nous préoccuper. On a arrêté nos soldats. Nos soldats sont aux mains d'Assimi Goïta. Mais derrière tout ça, il y a des gens parmi nous. Il y a des forces de mal parmi nous. Afin de nos soldats, il y a des gens parmi nous qui font ça. Ils veulent anticiper la chute du président Ouattara. Ils veulent pousser les adversaires. Ils s'allient aujourd'hui aux adversaires pour déstabiliser le président Ouattara.
C'est là la nuit, on va s'élever, on va dire, ah, Ouattara est candidat. Non, non, non. On n'est pas à ce stade. Hein. Dans notre affaire des soldats, là, il y a des gens dans notre propre camp. Ah oui, il n'y a jamais de coup sans d'implication interne. Il n'y a jamais de coup sans implication interne. Dans tout système, l'arrestation de nos soldats, il y a forcément des implications internes. Depuis l'aéroport jusqu'au Mali, il y a des gens qui sont derrière ça. Ils sont là, ils ne parlent pas. Hein. Ils sont là. Mais eux-mêmes, ils sont assis là. Ils prient Dieu que Assimi Goïta fasse tout pour que Ouattara tombe. Mais il ne va pas tomber. Il ne va même pas tomber. Je suis désolé pour vous. Il ne va pas tomber. Hein. Il va rester là. On va finir 2000. C'est-à-dire, on va finir jusqu'à aller aux élections de 2025. Assimi Goïta, il peut garder nos soldats. Moi, j'ai déjà parlé. Allez-y, dis au président. Que Zasso dit, Assimi Goïta n'a qu'à garder les soldats. On ne négocie plus avec Assimi Goïta. Moi, Zasso, je ne vais plus faire vidéo pour demander pardon à Assimi Goïta. Désolé. On a tout essayé. On a envoyé ces diaos. Eux-mêmes, ils sont allés chercher le président togolais. Le président togolais est venu envoyer les gens voir le président Ouattara. Le président Ouattara s'est abaissé. Il avait des émissaires. Il y a eu des négociations. Chacun a donné ses preuves. On allait chercher le président sénégalais, Macky Sall, qui est président d'un grand pays où il y a aujourd'hui la stabilité. Un grand frère Macky Sall se lève, il s'en parlait à Assimi Goïta. Il n'y a pas respect. On s'en va chercher le président du Nigeria. On va chercher Amalo. On va jusqu'à l'ONU. On envoie même l'Ali Koulibaly. Ils prennent des hommes d'affaires maliens. Ils vont au Mali, ils vont voir leur homme de Dieu le plus puissant. Derrière Assimi Goïta se trouve un groupe de personnes qui sont avec Wagner. Aujourd'hui, leur point clé, là, c'est le président Ouattara. Parce que j'en salue le nom du président Ouattara partout à l'ONU. Il a fait 10e mandat. Il est ceci, il fait ceci. Et c'est ce que les babos répètent. C'est dans ce jeu-là, nous, on va se mettre. Le vieux va se reposer en 2026. Je suis désolé. J'ai dit aux militants, allons-y dire à nos cadres, ils n'ont qu'à se lever. On a une longue liste. Le président a une longue liste. Et parmi ces cadres-là, ils peuvent faire quelque chose. Écoutez, regardez ça. Parce que le décès d'Amadou Gon. Moi, Zasso, je ne joue pas avec ça. Ahmed Bakayoko est mort. Amadou Gon est mort. Je ne vais pas laisser quelqu'un distraire le président Ouattara. Je suis désolé, mais je ne vais pas laisser quelqu'un distraire le président Ouattara. Voilà. Écoutez le chef de l'État. On va écouter le président Ouattara. Comme je l'ai dit, je ne veux pas laisser quelqu'un distraire aujourd'hui le chef de l'État, là où on est parti. Partagez normalement cette vidéo parce que nos ennemis... Oh là là, j'ai un problème aujourd'hui. Nos ennemis là, ils sont en face. Ils sont en face. C'est eux qui signalent toutes les vidéos. Bon, le temps que ça tourne, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Alors, comme je le disais, le décès d'Amadou Gon Coulibaly doit nous faire prendre conscience. Le décès d'Ahmed Bakayoko doit nous faire prendre conscience. On doit apprendre à se faire confiance. Moi, je suis à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus tirer sur les cadres. Parce que j'ai compris déjà le message de Laurent Gbagbo. Écoutez, le chef de l'État parle. Le président est en train de parler. Hein. Le chef de l'État parle, donc tout le monde, on se calme. Le président Ouattara parle, donc on se calme. Voilà. Parce que ce que je vais dire là, envoyez ça à tout le monde. C'est moi, Zasso, il parle, envoyez à tout le monde. Voilà. Je parle en tant qu'un patriote, un digne fils, un fils du président Ouattara. Je ne laisserai pas mon père tomber dans votre jeu. Humiliation que Gbagbo a connue là, Ouattara ne va pas connaître ça. Parce que c'est ça leur plan. Leur plan là, c'est ça. Humiliation que lui, Gbagbo, il a connue là. Les Damana Picasso, ils veulent que Ouattara connaisse. Ça dit que c'est ça, ils veulent. Maintenant, si vous... Vous voulez tomber dans ce jeu, mais on ne va pas s'attendre. C'est qu'on va couper Ignam. Ça, je vous dis. Claire, on continue. Oh, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a un souci, un petit souci là. Qu'est-ce qui ne va pas? Les pros Assimi Goïta ont commencé à attaquer ma vidéo là. Ils ne sont pas sérieux, ces gars-là. Hein? Ils ne sont pas sérieux. Hein? Arrêtez de signaler les trucs. Ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Donc, chers amis, voilà, on occupe le... ...devant le Parlement, réuni en congrès à Yamoussoukro, de ma volonté, bien que la nouvelle constitution m'y autorise, de ne pas faire acte de candidature et de passer la main à une nouvelle génération. Depuis cette décision,
j'avais commencé à organiser mon départ, à prendre toutes les dispositions au plan personnel et au plan politique. J'avais planifié ma vie après la présidence. J'avais entrepris de relancer les activités de mon institut et de créer la Fondation internationale Alassane Draman Ouattara, ADO, dont les locaux sont en cours de finition. J'envisageais ainsi de mettre mon expérience en matière économique et de gouvernance au service des pays et des institutions qui le souhaiteraient. Au plan politique, ma décision avait abouti à la désignation le 12 mars 2020 d'un candidat, chef d'équipe de cette nouvelle génération, le cadre compétent et dévoué, à même de préserver les acquis de notre pays en matière de paix et de progrès. Ouais. Mais comme le dit l'adage, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laisse un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle. Les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce jour, quand le président a dit ça, j'étais content comme ça. J'applaudis ce jour-là, je dis ouais. Non, viens là, il est fort. Ça dit que l'analyse, ça dit il m'a convaincu. C'est vrai, Amadou Gon, on ne l'a pas vite positionné, on a pris un petit retard. On a pris vraiment un retard avant de positionner Amadou Gon. Amadou Gon, candidat, en cette période, il y a eu le Covid. En tout cas, il y a eu des événements bizarres dans le monde, Covid et tout ça. Amadou Gon s'est mis à fond, en plein Covid. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Malheureusement, Dieu en est disposé autrement, comme le chef de l'État dit. Lui-même, il a tout préparé, ses bureaux pour servir le monde entier, tout. Amadou Gon est tombé. Ça aussi, ça découlait de notre stratégie. Et cette stratégie, nous allons la corriger maintenant. Le décès d'Amadou Gon doit nous amener à tirer maintenant les leçons et proposer une équipe de personnes. Et le président Ouattara l'a dit, une douzaine de personnes. Partagez la vidéo, ils sont en train de déstabiliser la prison. Une douzaine de personnes. Dans les douzaines là, on peut même avoir 2, 3. Il y a tellement de cadres. Le parti là, il y a des cadres. Moi, je vous ai dit à partir d'aujourd'hui là, je ne vais plus attaquer qui que ce soit, mais ils n'ont qu'à travailler. Ils n'ont qu'à travailler parce que municipal, où on va là, moi, je ne veux pas qu'on perde. Parce que législatif, c'est parce que l'opposition n'est pas partie. Présidentiel, c'est parce que l'opposition n'est pas partie. Si les opposants partaient au législatif, on n'allait pas avoir ces députés. Parce que nos cadres là, quand ils vont dans les régions, ils ne parlent pas d'eux. Tout ce qu'ils veulent, le président Ouattara dit, le président, mais vous-même, vous dites quoi? Vous voulez être maire, conseil régional, vous voulez ceci, mais parlez de vous. Parlez de vous. Et puis allez-y, arrêtez de distribuer les sacs de riz, les quoi, ce n'est pas une manière de sensibiliser. Allez-y, parlez aux militants, parlez. Soumettez vos projets, vos idées. Parce que quand vous donnez les sacs de riz, vous distribuez des trucs aux militants, vous affaiblissez les militants. Et moi, je suis pas, c'est tout ça que je ne suis pas d'accord. Donc, chers amis, le chef de l'État a parlé. On regarde, on écoute la proposition. Quand le président Ouattara a fini de parler, Macron, aux yeux du monde entier, a soutenu le président Ouattara. Il n'a pas baissé les bras. Écoutez. Écoutez, hein.
Écoutez, on prend ça, on va dire ce que j'ai à dire. Bonjour, président RFI. Dans un entretien accordé à les demandeurs jeunes Afrique, le président français Emmanuel Macron reproche à son homologue guinéen Alpha Condé d'avoir fait réformer la constitution dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Comment expliquer que le président français soit aussi critique vis-à-vis du troisième mandat du président guinéen, contrairement à celui du président ivoirien Alassane Ouattara? Effectivement, vous revenez donc sur cet entretien accordé à nos confrères de Jeune Afrique où le président Emmanuel Macron commente l'actualité de certains pays africains et notamment la question de la légitimité des troisièmes mandats d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire et d'Alpha Condé en Guinée. Bonjour Pierre Firsion. Bonjour Juan. Journaliste au service Afrique de RFI. Je reprends les propos d'Emmanuel Macron dans les colonnes de JA. Je ne mets pas le cas de la Guinée et celui de la Côte d'Ivoire dans la même catégorie. Que faut-il comprendre ? Alors, comme il le dit déjà dans l'interview, le président français considère qu'Alpha Condé a tout fait pour se maintenir au pouvoir, à la fois en organisant un référendum et en changeant la constitution, ce qui n'est pas le cas d'Alassane Ouattara, qui s'est retrouvé, lui, Emmanuel Macron le dit dans l'interview, dans une situation exceptionnelle avec le décès de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, à quelques mois du scrutin. Le président français estime ainsi qu'Alassane Ouattara ne voulait pas se représenter et qu'il y a été contraint. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a ces gestes d'ouverture de la part du président ivoirien après l'élection, cette rencontre avec Henri Conan Bédié, ces discussions avec l'entourage de Laurent Gbagbo. Alpha Condé, lui, a suivi, on pourrait dire, un chemin. Alors, chers amis, même Emmanuel Macron nous a soutenus. Il a expliqué, et c'était ce qui était la vérité, le président Ouattara avait déjà fait le choix d'Amadou Gon, et le président Ouattara s'est retrouvé dans une situation exceptionnelle. C'est comme nous tous. Donc, il a été contraint à être face à la réalité qui était là. Donc, ça là, c'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, parce qu'il voulait que le président Ouattara stabilise le pays jusqu'en 2025. Ce n'est plus à nous aujourd'hui, comme Gbagbo dit les candidats, nous on va dire non, le président Ouattara, tu dois être candidat. Ceux qui pensent ça là, ils n'ont qu'à libérer leur tête. C'est-à-dire, si vous n'avez pas confiance en vous, nous là, on a confiance à ces cadres-là, ils seront candidats. Et puis ce que je vais dire aux gens, Laurent Gbagbo là, ce qu'il fait là, Gbagbo n'est pas bête. Gbagbo là, il a été opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo qui est là, il n'a jamais accepté sa défaite. Et Gbagbo ne peut jamais accepter sa défaite. C'est quelqu'un que je connais. J'ai eu le temps. Je connais nos hommes politiques. Je les connais. Gbagbo ne peut jamais pardonner. Gbagbo sait ce qu'il a fait au président Ouattara. Il sait. Mais Gbagbo, même normalement, une fois que tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu devais quand même te ressaisir, rentrer au plus profond de toi-même et puis dire moi-même, Gbagbo aussi, j'ai eu tort. Gbagbo, là, c'est pas le président Ouattara qui a la base de ses malheurs. Quand je l'ai écouté parler au palais de la culture, moi j'ai eu honte. Ce sont les petits Damana Picasse, les enfants là, qui vont dire à Gbagbo, tu es candidat. Et il y a pas. Ça dit que, et Damana Picasse dit, à part Gbagbo là, il n'y a personne. Moi j'ai eu mal. C'est Damana Picasse qui a dit à Gbagbo, tu vas être candidat. Non, parce qu'ils sont dans un plan. Gbagbo est parti à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. Gbagbo allait à la CPI, Ouattara doit aller à la CPI. On arrête nos soldats ivoiriens. Gbagbo n'a jamais soutenu la prise de nos soldats. C'est la fille il soutient. Comment elle s'appelle Plucherine Balé? Une petite fille, Plucherine Balé, tu la connais au bout. Des petites filles, des anciens présidents, depuis l'opposition. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas donné à Gbagbo? Nos soldats, les soldats l'ont travaillé sur toi. On arrête des soldats de la Côte d'Ivoire. Et toi, Gbagbo, tu soutiens Assimi Goïta. Bédié soutient Assimi Goïta. Soro soutient Assimi Goïta. C'est dans ça là, vous voulez qu'on aille aux élections avec les mêmes personnes. C'est dans ça là, vous voulez qu'on aille aux élections avec les mêmes personnes. Dieu là, il a voulu que le président soit candidat. Il lui a donné les forces. 2025, Dieu sait que le président Ouattara a des hommes. Dieu là, il sait que le président Ouattara a des hommes. Nous n'allons pas vous laisser distraire le président. Je vous le jure. Le débat là, ça sera trop fort. Le débat là, ça sera trop fort. Nous n'allons pas laisser quelqu'un distraire le président Ouattara. Et ça, je ne vais pas lever le pied. Je vous le jure. Je ne vais pas lever le pied. Hein? Amadou Gon est mort. Je suis témoin de ce qu'il parle. On a voulu qu'Ahmed Bakayoko soit candidat. Vous avez dit non.
vous avez dit non. Entre vous, vous vous êtes donné des coups. Beaucoup de choses se sont passées. On a tout pardonné, mais il faut qu'on se dise à un certain moment donné certaines vérités. On a tout pardonné. Ahmed Bakayoko, je l'ai connu dans l'opposition. Ahmed Bakayoko, là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le FDR? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le président Ouattara? Dès que le président Ouattara a pris le pouvoir, un groupe de personnes s'organise pour déstabiliser Ahmed. Ils ont créé conflit entre Ahmed Bakayoko et Amadou Gon. Mais moi-même, là, j'ai pris des coups. Et ça continue. Ça continue. J'attends les gens qui parlent. Moi, je ris. Zasson, là, le RH, depuis, on ne l'aime pas. Zasson, force. Je ne force rien. Je défends le président Ouattara parce que moi, je le connais. Je connais sa force, sa puissance pour la Côte d'Ivoire. Je suis un intellectuel. Je sais d'où je viens. Soro est de ma génération. Blengoudi est de ma génération. Personne ne peut me distraire. Je suis désolé. Ils sont tous de ma génération. Je suis libre d'apporter la contradiction. Et je sais, et je suis convaincu, que la personne qui va nous envoyer jusqu'en 2025, c'est le président Ouattara. Grâce au président Ouattara, ce pays-là va continuer de se développer. Si demain il choisit quelqu'un, il le met, je suis à la personne. Mais ce que moi je vais dire au président Ouattara, il ne se laissera pas distraire par Babo Laurent. Babo Laurent, là, c'est qu'il cherche la stratégie de Babo. Il veut pousser, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire les passionnés, les militants qui ne comprennent rien, qui sont dans notre parti, qui sont dans la haine, qui aiment diviser, qui aiment créer des clans, qui aiment insulter les gens, traiter les gens d'autres choses. Cela, nous on vous regarde, on va vous parler cette fois-ci-là, ça sera sans état d'âme. Hein? Parce que c'est Amadou Gon, sa mort et la mort d'Ahmed, là, vous êtes tous derrière. Moi je vous dis ça. Vous êtes beaucoup derrière. Vous avez opposé les deux aînés que j'ai connus dans l'opposition. Amadou Gon ne peut pas sortir sans appeler son petit frère Ahmed Bakayoko. Dès qu'on a pris le pouvoir, ils ont commencé à diviser les cadres, créer des clans, l'argent, contrôler. Mais le président Ouattara, il ne cherche pas à vous. Le président Ouattara, c'est que vous l'aimez déjà. Ce qu'il attend de vous, c'est que demain, quand il ne serait pas là, il ne faut pas avoir honte. Oufoué, là, il n'a pas préparé sa génération. Quand Oufoué est mort, vous avez vu le conflit. Bédier, Babo, Gay Robert et autres, beaucoup sont morts dans ça. Aujourd'hui, on doit préparer une génération. On doit être des frères, on doit être des familles. Mais si vous dites non, comme c'est nous là, comme Ouattara est du Nord, c'est nous les fils du Nord, ou c'est nous on a été RDR, ça doit être comme ça. Mais vous êtes en train de tuer le président Ouattara. Moi, je vous dis ça en toute sincérité. Et ça là, il faut que vous enlevez ça. Parce qu'aucune région ne peut élire le président. Aucune ethnie ne peut élire seul le président. Moi, j'étais son porte-parole, je sais le travail qu'on a fait. Je sais de quoi je parle. Demandez à Sanogo, je connais la liste électorale, comment ça fonctionne. Non, personne ne peut me distraire, ça je vous dis la vérité. Et puis vos mentalités là, essayez de revoir. Vous qui vous cachez déjà, il ne sera pas candidat en 2025. Vous n'allez pas mener le président Ouattara Gbagbo être candidat. Gbagbo candidat Ouattara, il aura la guerre. Vous voulez, vous ne voulez pas, il aura la guerre. Et c'est le rêve de Damana Picasse. Gbagbo a fait sa conférence, il a été clair. Il a dit depuis, il a changé de stratégie, il parle plus. Ces militants-là, ces cadres-là sont sur terrain. Tous les pro-Gbagbo sont sur terrain. Tous les pro-Gbagbo sont sur terrain. Pour qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent des événements. Cela, moi, je les connais. La vidéo est bloquée. Ils préparent des choses. Les gens-là préparent des choses. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Le président doit aller grand pendant que Macron est encore là en France. Pendant que Macron est encore là en France, le président Ouattara doit retourner, il doit sortir grand. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'abaisser. Je suis désolé. J'ai l'impression que la vidéo marche. Il doit sortir grand. Babo, là, il veut pousser Ouattara à l'amnistie. Il veut voir si le président Ouattara veut un autre mandat. Babo veut voir si le président Ouattara veut un autre mandat. Il veut pousser le président Ouattara à l'amnistie. Il veut pousser le président Ouattara à lui accorder une amnistie. C'est la stratégie de Babo. Il sait que quand il va dire je suis candidat, il y a des capables dans le parti, tu vois, il dit, ah, le président Ouattara, il faut être candidat. Comme Babo est candidat, toi aussi, il faut être candidat. Mais ça est dans la tête des gens. Babo sait ce qu'il fait. Babo voit aux élections Ouattara, il ne va jamais reconnaître la victoire du président Ouattara. Il sait ça. Eux-mêmes, ils disent que la honte qu'eux ont eue là, ils vont donner ça à Ouattara. Aujourd'hui, le président Ouattara a positionné la Côte d'Ivoire à un niveau. Il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire. Le président Ouattara a fait de sorte que le pays est devenu un grand pays. Parmi ces cadres-là, nous, on va faire la promotion, on va choisir. On va dire au président, voilà des hommes.
On va les mettre sur terrain. Le meilleur là sera mon candidat 2025. Moi, mon pied là, je ne vais pas lever sur ça. Parce qu'il y a des moments où on avait levé le pied. Quand Amadou Gon voulait être candidat, j'ai dit non. Parce que je connaissais le grand frère. Il y a des gens qui m'ont dit, ça c'est comme ça. Ça c'est ceci. Jusqu'à souvent, les amiraux blindés, les saoulés se moquent. Mais moi, j'avais dit mon opinion. Moi, je dis Amadou Gon est parti, Ahmed est parti. On a perdu deux cadres. À cause des émotions des gens. Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas et ils regardent leurs intérêts. Ils veulent être riches, ils veulent être puissants, ils veulent être forts. Donc, quand tu parles, on ne t'écoute pas. Amadou Gon est mort, quelqu'un qui ne se sentait pas bien. Il y a eu le Covid, il était partout. On pouvait freiner ça. On dit, non, il n'a qu'à être candidat français. Jusqu'à moi-même, Zasso, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Jusqu'à j'avais honte de moi. On m'insulte, on me traite de tout. Ils financent même des militants RHDP, allez-y, insultez Zasso. Ah, souvent, je suis assis là, je dis, mais ceux-là, ils ont quel problème? Nous tous, on a servi Ouattara, on connaît tous Ouattara. Ouattara, là, c'est notre père, nous tous. À quoi de pouvoir, l'argent? À quoi de l'argent? Mais ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable. Au pays, là, quand Ouattara était dans l'opposition, qui avait l'argent? C'est Ahmed Bakayoko. Ça, je cite leur nom, moi je cite. Quand le président Ouattara était dans, après le président, là, il y a Montano, il y a Ahmed Bakayoko, il y a Gon, il y a Tussanogo, Mamadou Sanogo, je ne sais pas où il est. Voilà les cadres qui étaient les grands financiers du parti. Que moi je connais. Je connaissais ceux que je connais dans ceux qui sont là. Tout le Mamadou sait, il sait combien de fois on courait à gauche, à droite pour avoir les financements pour faire les activités. Tout le Mamadou qui est aujourd'hui ministre, les Yayuro là, Issa, allez-y leur demander. Comment on courait? Quand Gbagbo était à Soro, qu'est-ce que Soro ne faisait pas au président Ouattara? Un certain moment donné, mais beaucoup avaient perdu espoir. Aujourd'hui, avec tout ce travail, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Comme Gbagbo est sorti, il dit les candidats, Bédié dit les candidats. Alors il y a des gens qui disent, Bédié est malade, Bédié ne se sent pas bien, Bédié ne peut pas faire campagne présidentielle. Le combat qu'on doit amener là, c'est que nos aînés là quittent la scène politique. On ne peut pas encourager les conflits. Ça veut dire qu'on est bête ou bien on est mouton. On n'est pas des moutons. Moi, en tout cas, je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un mouton. Le président Ouattara fait un travail. Il doit sortir grand. On ne doit pas l'opposer à Gbagbo à une élection. Ce rêve-là, ça va retourner contre vous. C'est moi qui vous dis ça. Vous aurez honte dans le pays-là. Vous allez amener Gbagbo, le président Ouattara, amnistier Gbagbo pour aller aux élections à lui. Allez aux élections à Gbagbo, les damnats piquants qui sont remplis de haine. Où il y a les terroristes djihadistes dans la sous-région. Ils vont aller les recruter demain. Après l'élection, ils vont les verser à Abidjan. Ils vont payer leurs transports comme Soro a fait en octobre. En octobre 2020, là, Soro a fait rentrer beaucoup de Camerounais en Côte d'Ivoire. Il a ramassé des gens qu'il a fait rentrer en Côte d'Ivoire. La crise de 2020, là, moi j'étais à Abidjan. Il y a eu beaucoup de monde. Ils ont coupé tête des gens. Ils ont coupé tête des gens. Quoi des gens? C'est pour ça que j'ai tout me suis battu. J'ai dit non, il faut qu'il ait justice. Il faut que dans notre pays, on ne lève pas le pied sur la justice. Quand tu fais vidéo, tu interpelles, il y a des cadres qui vont s'élever. Ils vont quitter dans l'arrière pour dire au président Ouattara, pardon, il faut le libérer, il faut faire ceci. Et ils vont aller chercher les pro-Soro. Ils vont les nommer. Chers amis, là, on ne va plus rentrer dedans. En 2020, tous les pro-Soro qui ont insulté le président Ouattara, tous les pro-Soro qui ont insulté le président Ouattara, comme ils ont des parents au sein du RHDP, ils ont été nommés. Et à des postes importants dans le parti. Alors que nombreux d'autres, eux, se sont battus avec nous sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les professeurs se moquent de nous. Mais vous, de nous, vous, là, vous, moi, je dis toujours, moi, je suis un homme politique. Chaque jour, je prie Dieu pour qu'il me donne la force pour continuer le combat du RHDP. Il me donne la force de soutenir le président Ouattara jusqu'en 2025. Le président Ouattara ne sera pas candidat. Je suis désolé pour vous. À partir d'aujourd'hui, nous allons lancer un appel à nos cadres. On a des cadres. Ils sont nombreux. Des PCA, des ministres, des directeurs de cabinet. Ils sont nombreux. Depuis le premier ministre jusqu'à Kandia, Ahmed Bakayoko, Kandia, Bitogo, comme on appelle Patrick Hachi, le ministre Adjoumani. On a trop de cadres. On a trop de cadres. On a trop de cadres. Nathalie Ibrahim, on a trop de cadres. À Boakela, on a le ministre des Transports. Le ministre des Transports, il peut faire l'affaire. Adjoumani peut faire l'affaire.
Patrick Cachy fait l'affaire, photocopie fait faire l'affaire. Mais la ministre Mariette Toula, elle peut faire l'affaire. Mariette Toula, elle peut faire l'affaire. Allez-y à Soso, le ministre des Sports, Dano Poulin, il peut faire l'affaire. Le président des choses, comme a dit le gouverneur d'Abidjan, le gouverneur du district, Mambré, il peut faire l'affaire. On a trop de cadres, on a des cadres compétents. Ceux-là peuvent faire l'affaire. Ils peuvent faire l'affaire. Vous êtes là, non, ça doit être le président. Quand le président doit s'asseoir à côté. Et puis, il va maintenant dire, faites ça, faites ça. Comme ça, Soro sera plus dans notre dos. Je vous dis ça toujours. Soro sera plus dans notre dos. Il ne va plus aller manipuler les gens. Si on a choisi demain quelqu'un qui n'a rien à voir avec Soro, il ne doit pas Soro. Il est candidat. Nous, on forme bloc. L'équipe, là, on gagne les élections au premier tour. L'opposition sait qu'ils n'ont pas de candidat. Les Damana Picasso ne peuvent pas faire le foie. Non, ils veulent nous imposer Babo. Les Kone Katina ne peuvent pas faire le poids. Non, ils veulent nous imposer Babo. Ils veulent nous imposer Bédi. Ne tombons pas dans ce jeu. Moi, je vous dis la vérité, ne tombons pas dans ce jeu. Ça, je vous demande pardon. Vous, les militants, les cadres du parti, c'est-à-dire sectaires, tribalistes et autres, là. Moi, là, comptez sur moi. Hein. Quand on a commencé leur affaire ici, UGN, mouvement des fils du Nord pour reconstruire le Nord, là. Je vous avais vu, je n'ai pas été doux avec vous. Hein. J'ai été très dur. J'ai été très dur, c'est vrai. Moi, là, je préfère être dur. Détestez-moi. Ne m'aimez pas. Fermez vos portes. Faites tout ce que vous voulez, mais je vous dirai ce que je pense. Quand ce n'est pas bon, je dirai que ce n'est pas bon. Parce que je connais le président Ouattara. La meilleure façon d'aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les postes ministériels, non. Le président Ouattara, là, il a connu toutes sortes d'humiliations. Il a connu toute haine. Sa mère a été déterrée. Sa mère, là. Les fessiers sont allés déterrer le corps de sa mère. Sa mère, ils sont allés déposer, jeter ça. Sauf comme on appelle ça, comme on appelle. À la vie, à la rue de la ville. En 2020, en 2010, on a failli le tuer. En 2002, des gens sont allés à celui à la maison. Quand ils ont fini de tuer Gueye, là, ils partaient tuer Ouattara. Sur Ghana, moi, j'ai eu toutes les informations. Quand ils ont fini de tuer Gueye, là, ils partaient tuer Ouattara. Celui à la maison, c'est pour ça que je salue les Soro Jean-Baptiste à chaque fois. J'ai dit, les messieurs Soro Jean-Baptiste, là, nous les militants, là, quand on le trouve, on doit lui dire merci. Nous les militants, là, surtout Soro Jean-Baptiste, disons-le, grand frère, merci. Ou certains cadres, le président Ouattara était dans sa maison, les gens venaient le tuer. Certains cadres étaient assis là, et ils regardaient le président. Soro Jean-Baptiste est monté, il a pris le vieux, il a pris en bris, il dit allons. Il a dit allons, il a mis échelle, il dit le vieux sortant d'ici. Sinon, Ouattara les serait aujourd'hui assassiné, on n'aurait plus de pont, on n'aurait plus de route, on n'aurait plus d'échangeur. Mais vous là, c'est vous qui allez dire aujourd'hui, Ouattara va être candidat en 2025. Vous aussi, vous exagérez. Alors c'est pour ça que vous créez les conflits, vous divisez. Au lieu de chercher à construire le parti, vous tribalisez le parti. Vous divisez, vous créez des clans. Tous ceux qui veulent mener le combat du parti, vous les tribalisez, vous les insultez, vous fabriquez des cyberactivistes. Il aura défi en 2025. Ah oui, on va aller aux élections. Quand vous parlez là, vous n'avez pas dit on n'aimait pas, on ne vous aimait pas. Voilà des gens qui sont dans un parti politique, ils veulent qu'on les aime. Mais on n'est pas dans un parti politique pour vous aimer. Vous avez vos familles, vous avez vos enfants. Nous, on n'a pas le temps de vous aimer, non. Ce qu'on aime là, notre dénominateur commun sur le président Ouattara. C'est lui qui gère la Côte d'Ivoire, c'est lui qui développe la Côte d'Ivoire, c'est lui qui nous intéresse. Mais si moi, vous deviez m'aimer pour que je vous aime là, laissez tomber. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ça ne m'intéresse pas. Babo là, c'est un bété, il a gouverné, je l'ai combattu. Il est bété, des gagnants. Comme souvent vous parlez, c'est des boyrogas, c'est des étrangers, ils sont les bétés, ils ne sont pas sincères. Mais moi, je parle dans la politique tribale. Moi, mon combat là, ce n'est pas le tribalisme. Mon combat n'est pas le tribalisme. Je mets le combat de mon pays. La stabilité dans mon pays, la paix dans mon pays. Et le président Ouattara, c'est un Ivoirien. Voilà, Bidio a enregistré ça très bien. Enregistrez ça bien. Dites à qui veut l'entendre que Zasso dit, le président Ouattara ne serait pas candidat en 2025. Vous qui bavardez, qui insultez, voilà le président Ouattara. Assimi Goïta a arrêté nos soldats. On l'insulte partout. On le traite de partout. Vous êtes muet. Personne ne parle aujourd'hui. C'est nous, on est sur les réseaux sociaux. Jusqu'à les Maliens ont mon nom. Je suis le seul sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les pages. Toutes les pages, c'est ma photo. C'est la photo des assos qu'on met toujours. Assos. Parce que je suis le seul
tu peux leur dire la vérité sans avoir peur. Parce que je suis un digne fils et je ne peux pas retirer devant un Malien, un Guinéen, un Ils ont leur pays, j'ai mon pays. Moi, j'ai fait mon choix. Je ne suis pas de ceux qui sont de l'autre côté, ils sont en gauche, ils sont en droite, ils ne savent pas où ils sont. Moi, je n'ai que la Côte d'Ivoire. Et mon seul président, c'est Alassane Ouattara. Mon seul chef, là, c'est Alassane Ouattara. Tant qu'Alassane, moi, je suis bêté. Mon président Ouattara est du Nord. Il est de Kong. C'est mon grand frère, il est au pouvoir. Un Malien qui attaque mon président, il a affaire à moi. Un Guinéen qui attaque mon président, il a affaire à moi. Un Burkinabé qui attaque mon président, il a affaire à moi. Les autres peuvent jouer les hypocrites. Moi, je m'en fous. C'est mon pays. Et puis, je ne veux pas que... Dites au amiral blindé, au soulé là. Vous avez fait vidéo ici. Vous-même, vous avez dit que vous êtes Guinéen. Vous-même, vous avez dit que vous êtes Malien. Moi, je suis Ivoirien. C'est mon pays que je défends. C'est mon pays que je défends. La plupart de nombreux cyberactivistes, eux-mêmes, ils parlent ici. Nous, on est Guinéens, on est Maliens, on vient du Burkina. Moi, je suis Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mes parents sont de la Côte d'Ivoire. Celui que je défends, c'est mon grand frère Alassane Ouattara. Guillaume Soro n'est pas digne d'un fils de la Côte d'Ivoire. C'est un criminel, il a tué nos grands-parents. Il a tué nos parents. Il a créé une rébellion. Nos frères sont morts, nos soeurs ont été tués. L'Ouest, on n'en parle pas. Du Trozon, nous tous, on attend ça. Mais dites à votre Soro là que c'est le président Ouattara qui a sa chance. On va se battre pour que le président Ouattara se repose. Celui qui va venir, il va arrêter Soro, va le mettre en prison. Plus on dit le président Ouattara va être candidat, on donne la force à Soro. On donne la force à Soro, enlevez ça dans votre tête. On va laisser Soro humilier le président Ouattara. Le président Ouattara n'a qu'un candidat, puis Soro va se promener parce qu'il a ses parents dans le système. Dans le système, là, Soro a ses parents. C'est eux qui négocient pour ne pas qu'on arrête Soro. Ahmed Bakayoko a failli arrêter Soro. Après les événements de Yabouaké, là, c'est moi, Zasso, je vous parle. Ahmed Bakayoko voulait l'arrêter. Après les événements de 2017, où il y a eu tentative de coup d'État à Boaké, Ahmed voulait arrêter Soro. Il voulait même le frapper à l'aéroport. Quand le président Ouattara est Kitoga. Mais c'est le cadre là. Il a ses parents qui sont allés demander pardon. Ce qu'il ne peut pas faire pour nous, là, ils font ça pour Soro auprès de Ouattara. Tous les pro-Soro qui ont insulté Ouattara, qui ne voulaient plus de Ouattara au pouvoir, tous ceux-là, ils ont été nommés. On leur a confié des ministères, on dit, allez-y, ils vont vous donner de gros financements, vous allez faire vos affaires. Parce qu'ils sont, peut-être leurs frères. Quand c'est moi, Zasso, ils vont faire vidéo. Hein, ils les ont bêtés, et puis ils ont fait comme ça, et puis ils étaient comme ça, et puis ils étaient ceci. Oubliez même le passé. Rébellion de Soro, les ont oubliés. Je leur ai dit, celui qui ouvre sa bouche, maintenant, Zasso a fait ça. Je vais venir ici, je vais faire vidéo. Je vais commencer. Je vous dis la vérité, hein. Le président Ouattara là. Ce n'est pas vous seul qui l'aimez. Hein? Non. Vous donnez des coups à des cadres dans le parti. Vous partez des cadres qui se battent pour le parti. Vous partez faire des faux coups pour déstabiliser les cadres, opposer les cadres. Ahmed Bakayoko, le problème de choses qu'on appelle là, à faire des drogues, là, c'est quitté dans notre parti. C'est dans notre parti, c'est quitté. Les histoires du ministre Adjoumani, les audios du ministre Adjoumani, mais c'est quitté dans le parti. Quand ils finissent ça, eux-mêmes, je dis ça pour que vous donnez des conseils aux gens. Ils n'ont qu'à arrêter ça. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Le président Ouattara ne mérite pas ça. Apprenez à vous faire confiance. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Nous sommes tous les fils d'un pays. Le président Ouattara, c'est notre leader, c'est notre père. C'est ensemble qu'on doit l'accompagner jusqu'en 2025. Si en 2025, on prend un candidat, qu'il soit le fils du Nord, mais ça ne pose pas problème, c'est un candidat. Seulement, il n'a qu'à être capable de nous unir. Il n'a qu'à être capable de faire plus que le président Ouattara. C'est tout ce qu'on demande. Si on prend demain, on choisit, on dit, bon, tenez Ibrahim un candidat. Ou bien on prend, comme on appelle, le ministre des Transports, Amadou Koné. On dit, tu es candidat. On prend, on prend Marietou, on dit, tu es candidate. Mais attends. C'est pour la Côte d'Ivoire. Sa seule chose qu'on va demander, c'est qu'il fasse l'unité des Ivoiriens comme le président Ouattara fait. Il faut qu'il stabilise le pays, qu'il ne divise pas les Ivoiriens. C'est tout ce qu'on demande. Moi, je n'ai pas de problème qu'il soit... Si on prend de l'autre côté, on dit Adjoumani. Si Adjoumani est candidat, mais il est fils de la Côte d'Ivoire, on fait l'unité autour de lui. On fait l'unité, on forme un blanc, c'est ce qu'il se fait en Europe. On regarde. Si Adjoumani peut créer l'unité de solidarité
faire en sorte que le parti soit fort, que le président Ouattara n'ait pas honte. Mais on maintient Adjumani. Si on prend Patrick Hachi, si Patrick Hachi doit... Mais on maintient Patrick Hachi. Si on prend Mambé, qui est secrète et qui est chose, gouverneur, mais on le maintient. Si on prend, comme on appelle, on cherche encore. Mais certes, ça ne pose pas de problème. Il faut qu'on soit civilisé, on soit nos mentalités. Un cadre est un cadre. Un cadre, de la manière qu'on fait confiance au président Ouattara, on doit faire confiance aux autres. Moi, je sais qu'il y a des capacités, il y a des intellectuels, il y a des gens qui peuvent plus faire plus que ça, mais beaucoup ont peur parce qu'on les déstabilise. Voilà le parti où on se déstabilise, mais ceux qui déstabilisent n'ont pas mené le combat de Ouattara. Ceux qui déstabilisent aujourd'hui les militants n'ont pas mené le vrai combat. On est tous arrivés hein, en 2000, entre 2006, 2007, hein, c'est là qu'on est arrivé. Ah oui, moi j'ai eu le temps d'étudier la douleur du RDR. Parce que j'ai été franc auprès de mes cadres. Ahmed, là, quand je vais chez lui, il me parle. Quand je vais chez Amadou Gon, il me parle. Amantam me reçoit dans son bureau, il me parle. Mamadou Sanogo me prend, on va à moi, il me parle. Donc, je suis tellement à l'aise de défendre le parti et appeler à l'unité, à la solidarité, à la fraternité. Mais tant que des gens continuent de dire, comme ceux les sont d'ici, ils sont comme ça, ils sont ceci, chers amis, on va tous pleurer demain ensemble. Et moi, je vous dis la vérité. Parce que personne, un clan ne peut pas élire le président en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a tellement trop de partis politiques. Il y a trop d'ethnies. Nous, on sait ce qu'on a fait en 2000 choses. Demandez à Cissé Bakongo, il va vous dire. Demandez, il va vous dire ce qu'on a fait. Demandez au président, demandez au cadre du RDR. Demandez à tous. Abidjan Sud, là, il y avait Port-Boué, il y avait Koumassi, il y avait Makori, il y avait choses. Et puis tout ça, et puis on gérait très vite. On a fait un excellent boulot. Dites à vos cadres de travailler. C'est le moment, tous les militants, cyberactivistes et autres, c'est le moment de dire maintenant à nos cadres de se préparer. Ils n'ont qu'à se préparer pour 2025. Si on a eu même 5 cadres qu'on positionne, on les encercle, on les entoure, on devient frère, on ensemble, on va gagner 2025. On va gagner. Et le vieux va sortir grand. Le monde entier va dire, ah, Ouattara a organisé une élection. Il a donné sa parole, il est parti. Ouattara sortira grand. Tous les blés, là, ils vont se taire. Les soros, là, vont se taire. Les Assimi Goïta, là, ils vont se taire. Ils vont respecter le monsieur. Et on va le monde entier va le respecter. Le monde entier va le respecter. Et puis, quand il va se reposer, là, c'est là, il va protéger le pays même. Quand le président Ouattara sera maintenant libre, là, c'est là même, il va protéger le pays. Il va mettre son président, là, il dit, bon, tu es là, mon fils, je suis derrière toi. Il sera plus puissant même encore. Il a le temps de se promener, sortir avec sa femme, aller en vacances, faire ceci. Mais depuis comme il est stressé. Il est stressé. Amadou Gon est mort, Ahmed est mort. Mais il a perdu des gens très puissants. On va encore les laisser en 2025 faire tourner politique. Mais attendez, arrêtez de rendre vos ministres paresseux. Arrêtez de rendre de fragiliser vos cadres. Faites confiance à vos cadres. Il faut qu'on se fasse confiance. Chers amis, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, Gbagbo qui dit les coups d'État sont salutaires. Moi, je vais dire à Laurent Gbagbo. Il a fait coup d'État contre Guéï. Ça a été quoi le résultat? Comme lui, il salue les coups d'État. Il a fait coup d'État contre Guéï. Gbagbo dit que il dit dans son disque les coups d'État militaires sont la réponse au coup d'état civil. Mais il n'y a jamais eu de coup d'état civil en Côte d'Ivoire. Allez-y, dis à Gbagbo qu'il n'y a jamais eu de coup d'état civil en Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2000, là, lui et Guéï sont allés au référendum. Lui et Guéï, là, ils sont allés au référendum. Quand Guéï a fait son coup d'état militaire, il est allé au référendum. En 2020, le président Ouattara, la modification en 2000, comme on appelle ça, 16, la modification de notre constitution s'est faite par référendum. Référendum qu'il a organisé à Guéï, c'est la même chose qu'on a fait. Parce que notre constitution donne le droit de faire ses propres réformes que nous avons fait les réformes. Ici en Suisse, là, il y a un référendum. Ici en Suisse, là, quand on n'est pas d'accord, on fait un référendum. Cela ne veut pas dire qu'on manipule la constitution. Ici, là, si on dit l'eau, l'électricité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on va au référendum. Si on atteint le quota, tout change pour tout le monde.
Non, notre constitution n'est pas une constitution balisée comme les constitutions dans d'autres pays. Ce n'est pas balisé comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, partout. Notre constitution, on l'a modifiée à chaque fois. C'est pour ça que nous sommes allés au référendum. Et le référendum, il y avait le Soro qui est aujourd'hui l'allié de Gbagbo. Il y avait Bédié qui est aujourd'hui l'allié de Gbagbo. Donc quand Gbagbo dit les coups d'État là, c'est une réponse au coup d'État civil, il n'a jamais eu de, à mon avis, à mon humble avis, il n'a jamais eu de coup d'État civil. S'il y a eu coup d'État civil, c'est Gbagbo lui-même on va accuser. Parce qu'en 2025, il devait aller aux élections. En 2005, il devait aller aux élections. Notre constitution dit chaque 5 ans, il doit avoir des élections. Pourquoi on n'est pas allé aux élections en 2005? Il dit non, le pays est coupé. Mais ce n'est pas quelqu'un qui allait désarmer les gens, c'était toi de le désarmer. Tu as une armée pour ça. Tu as une armée pour unifier la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré t'avait averti de ce coup d'État. Blaise Compaoré t'a tout dit. C'est parce que tu n'as pas voulu parler à Blaise Compaoré qu'il y a eu la rébellion. Non, c'est toi qui devais assumer. Tu as une armée pour neutraliser, pour comme on appelle, unifier la Côte d'Ivoire. Donc c'est à toi d'unifier la Côte d'Ivoire. Que Gbagbo arrête de nous distraire. Il dit au Ghana, il n'y a pas de coup d'État, mais au Ghana, là, les gens sont éduqués. Au Ghana, là, quand tu as fini, au Ghana, là, on ne redevient plus candidat, comme Gbagbo est en train de faire. Quand Gbagbo était président, là, les coups forts, là, ils sont aujourd'hui à la retraite. Dites à Gbagbo que quand tu étais président, quand tu partais au Ghana pour faire les accords d'Accra, les Koufons là, qui étaient là-bas, ils sont aujourd'hui à la retraite. Moi, j'étais chez le président Koufon. Ils sont tous à la retraite. C'est là, toi, Gbagbo, tu viens t'asseoir et tu dis que tu es candidat là où les Koufons sont à la retraite. Tous les présidents qui étaient là quand tu étais président, eux tous, ils sont à la retraite. Tu as quitté l'ancien pays, il faut qu'on t'informe que tout le monde est à la retraite. Non, Gbagbo doit prendre sa retraite. Gbagbo doit comprendre, au lieu de soutenir le coup d'État, mais au Mali là, il n'y a pas eu référendum. Il n'y a pas eu référendum au Mali. Au Mali là, il n'y a pas eu constitution qui a été modifiée, rien. Mais il y a eu un coup d'État. Les militaires qui doivent chasser les djihadistes et les terroristes là, c'est eux qui sont venus faire coup d'État au Mali, avec la complicité d'un groupe d'analphabètes. On dit, c'est des trucs qui sont au Mali là-bas, c'est eux qui ont commencé à instrumentaliser des individus. Ils sont descendus dans la rue, aller faire un coup d'État. Ils sont allés faire un coup d'État au Mali. Ils sont, comment ils s'appellent, Roch Kabore. Il n'y a pas eu de modification de constitution. Il n'y a pas eu de modification de constitution au Burkina, mais il y a eu un coup d'État. Des pays où les gens ont la mentalité de coup d'État. Des gens dans leur gène, c'est des coups d'État. C'est cela que tu as comparé à la Côte d'Ivoire. Non, Laurent Gbagbo, moi je suis déçu de toi. Je suis déçu de toi. Quand on est dépassé, on se repose. Moi, j'ai dit au président Ouattara, Simon, là, ne l'amnistiez pas. Graciez tous, nos cartes tous graciés, et puis on avance comme ça. On les graciez tous, on avance, le pays sera stable. C'est-à-dire, le pays sera stable. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, la vraie paix viendra de la retraite de nos aînés en 2025. La vraie paix viendra de la retraite de nos aînés en 2025. Ne faisons même pas l'erreur de pousser le président Ouattara à amnistier Gbagbo pour nos élections et Gbagbo. Je vous le jure, ce qui s'est passé en 2010, là, ils vont répéter ça. Avec tous ces djihadistes, ces terroristes qui sont dans la sous-région. Regardez à Séguéla hier, à Séguéla. Mon portable était à Séguéla. On a arrêté beaucoup d'hommes hier. Des Burkinabés qui sont venus couper courant à Séguéla. Hier à Séguéla, ce que les gens voulaient faire, tuer des innocents, couper le courant dans le noir, égorger nos parents. À Séguéla hier. Demain, je vais publier les images. Je vais les publier, vous allez les voir. Et je voudrais saluer nos populations de Séguéla. Nos braves populations de Séguéla qui ont neutralisé ces terroristes, ces djihadistes qui sont rentrés à Séguéla hier. Chers amis, faisons très attention. Tout débat des candidatures du président Ouattara, laissons-en tomber. Laissons-en tomber. Parce que dans notre propre parti, aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont en train de combattre le président Ouattara. Qui sont en train de fragiliser le président Ouattara. L'arrestation de nos soldats au Mali, Yandji Souroche. L'arrestation de nos soldats au Mali, Yandji Souroche. Je ne veux pas parler, ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Il y a des gens qui sont encore parmi nous qui ont confiance à Soro. Parce que pour eux, là, Soro, là, il doit être président. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. L'arrestation d'Aboula, il y a eu trop de choses. Faisons très attention. Le président Ouattara, là, je ne veux pas entendre quelqu'un ici dire
il va être candidat. Je suis désolé pour vous. Allez-y, parlez maintenant à vos cadres que vous aimez tant. Quand on parle là, il insulte nos cadres. Il n'aime pas vos... Quand on vous dit la vérité, on vous insulte. Quand on vous dit la vérité, on vous insulte. Quand on n'est pas d'accord avec vos idées, on vous insulte. Quand on ne partage pas vos façons de réfléchir, on vous insulte. Vos comportements là, on vous insulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous connaissez que Ouattara que moi? Vous le connaissez que tout le monde? Non. Ouattara là, c'est un père pour nous tous. Il est le président de la Côte d'Ivoire. Ce qui est bon là, nous on va dire ça. Moi je répète en Europe ici, avec tout ce qui s'est passé à Madougon, tout le comportement de Soro, Bédier et tout cela, et puis en 2025, il y a le président, faites candidat encore. Mais nous-mêmes, on peut être candidat. Si vous n'êtes pas candidat, moi, je vais être candidat. Si RHDP n'a pas candidat en 2025, mais moi, de toute façon, je peux faire l'affaire. Ah oui? Et si moi-même, je suis candidat là, mais c'est grave, au premier tour, je gagne. Moi, je vous dis ça. Si le RHDP ne dit la plus, les cadres ne veulent pas là, moi, de toute façon, je vais me présenter. Je vais dire, président, il faut laisser, donne-moi le pouvoir. Je vais garantir sa sécurité. Pays là, il n'aura plus de bruit. Seulement, il vous dit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va me déstabiliser, il n'y en a pas. Ah oui? Je vais aller chercher mes partenaires au monde et puis je verrouille le pays. Le président Ouattara va se promener sur toute l'étendue du territoire national, tranquille. Gbagbo va se promener, Bédier va se promener. Ceux qui sont devant la justice et resteront devant la justice, ils vont lutter à la justice toute leur vie. Moi, je n'ai pas affaire à ça, je ne rentre pas dedans. Voilà, c'est comme ça que moi, je gouverne la Côte d'Ivoire. Et une... oh, qui fut le modérateur? Faut arrêter les injures, hein? Faut arrêter les injures, puis comporte-toi comme un homme maintenant. Hein, comportez-vous comme des hommes maintenant. Voilà, ne soyez pas trop sauvage dans la tête. Comportez-vous comme des hommes. Voilà, laissez les injures. Moi, je veux maintenant des intellectuels. J'ai pas besoin de moutons. Voilà. Tu aimes Gbagbo? Tu étais où? Puis Gbagbo a perdu le pouvoir. Tu étais où? Tu étais encore du voir ici quand Soro humiliait Gbagbo. Toi, tu étais encore du voir. Quand Soro créait rébellion là, vous étiez tous encore du voir. Vous avez fait quoi? Quand Soro humiliait Gbagbo là, vous avez dit quoi? Je vous ai vu dans le pays d'aller courir un Soro partout. Et quand les gens sont sur vidéo, c'est vous qui insultez. Mais quand il humiliait Gbagbo là, vous étiez où? Vous étiez où? Tout ce que vous savez faire, c'est devenir insulté. Insulté, insulté. Vous étiez là hier. Et puis Soro a imposé une rébellion 8 ans. Gbagbo, Soro a fait rébellion. Moi-même, j'ai critiqué Gbagbo, vous m'insultez. J'ai critiqué Soro, vous m'insultez. Gbagbo est perdu, est tombé encore, vous m'insultez. Bon, vous avez qu'un problème. C'est ça qu'on appelle des militants, c'est ceux-là qui vont faire avancer des pays. C'est vous-là qui allez faire avancer le pays. Vos partis resteront des partis de moutons, parce que c'est vous-même les vrais moutons. Si vous applaudissez dans la candidature de Gbagbo, c'est que vous êtes des vrais moutons. Ça dit qu'on vous dit mouton, là, c'est vous. Vous qui applaudissez la candidature de Gbagbo, là, c'est vous les vrais moutons. Les vrais moutons. Depuis combien d'années, c'est la même personne qui va être votre candidat. Vous n'avez personne dans votre parti. Alors que beaucoup d'entre vous, vous êtes âgés. Vous avez plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 45 ans. 45 ans. Vous applaudissez Macron là. Il a comme 45 années. Et vous êtes toujours là. Gbagbo. Malgré qu'il est vieux, il ne parle même pas. Sa voix ne sort pas. Le monsieur est fatigué. Bédier est fatigué. Mais vous les soutenez. Mais vous avez un problème. Vous-même là, c'est vous qui êtes les vrais moutons, vous avez un problème. Nous, au RHDP là, on dit, notre candidat 2025 il va se reposer, nous, on va mettre un autre candidat. On va positionner. Donc nous, on est des hommes civilisés au RHDP. On n'est pas broussa. Au RHDP, on est des intellectuels. Au RHDP, on n'est pas des moutons. Nous, on sait dire le contraire. Vous tous, vous êtes là, dit Gbagbo est candidat, vous applaudissez. Vous insultez encore les gens. Vous insultez encore les gens. C'est triste, ça fait pitié. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez rien dans la tête. Vous êtes une misère morale. Vous êtes une misère morale. Une pauvreté. Ça veut dire qu'on dit pauvreté, là, ce n'est pas l'argent seulement, c'est intellectuel. La pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent. C'est pas avoir, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas ce qu'on appelle pauvreté. Mais c'est mental. La vraie pauvreté est d'abord mentale. La pauvreté est déjà est d'abord mentale. Si l'Afrique a des retards, c'est parce que dans notre tête, on a un problème. C'est dans notre tête là, ça se passe. Quand ta tête est libérée là, tu peux libérer l'Afrique. Moi j'entends des gens de façon abusive dire la liberté de l'Afrique, alors que dans ta tête tu es boursa, tu insultes les gens, tu ne sais pas argumenter. Tu ne peux pas appeler Zasson pour contredire, tu n'aimes pas les contradictions, tu es dans la violence, tu es dans la haine, tu insultes. Toi père de famille, tu veux insulter Zasson à cause de Gbagbo, alors que tu es un père de famille. Toi tu insultes Zasson à cause de Gbagbo.
Tu aimes Bédier, tu aimes Soro et tu m'insultes alors que tu es un père de famille. Soro a ses enfants, tu as tes enfants. Toi, tu dois t'asseoir avec Soro pour argumenter, débattre. Tu peux dire à Soro que non, tu as fait rébellion, ce n'est pas la peine, il faut te retirer. Mais c'est toi-même qui as venu insulter Zasso. Et il y a tellement d'idiots. Ils vont faire vidéo, ils vont venir insulter Zasso à cause de Soro, à cause de Bédier, à cause de Babou. Mais Babou a son enfant. Michel Babou, c'est son fils. Michel Babou, c'est son fils. Son père était à la CPI, mais lui, il travaillait en Côte d'Ivoire. Il travaille en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous, vous prenez par là des pères des autres, vous les mettez sur vos têtes et vous insultez d'autres personnes. Mais vous êtes maudits. Moi, j'appelle ça de la pure malédiction. Ça veut dire que c'est inconscient, c'est irresponsable et j'appelle ça la pauvreté mentale et intellectuelle. Pauvreté mentale, intellectuelle. Moi, je vis dans un pays où je ne peux jamais voir des enfants insultés. Les enfants n'insultent jamais. Les gens n'insultent pas. Parce que vous êtes des fils d'un pays, vous luttez, c'est votre richesse, c'est notre bien à nous tous. Chacun doit donner son opinion. Ici, ils donnent des opinions. Quand la route n'est pas bonne, il n'y a pas école, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ils s'entraînent, ils font des choses, ils sont organisés, ils sont disciplinés. Chez nous, on insulte. Il y a des gens qui ont fait poste et puis on dit Zasso, ils sont contents comme ça. Parce que les gens ont fait poste, ils ont... Mais moi, je n'ai jamais dirigé la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas ministre, je ne suis pas dans vos gouvernements. Je suis un leader d'opinion, je ne suis pas dans vos gouvernements. Vos gouvernements, là, j'ai quel poste dedans? Combien de millions de gens déposent sur mon compte? Il n'y a rien. J'aime mon pays, c'est pour ça que je parle. Mais c'est moi que vous insultez chaque jour. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur de moi. C'est parce que vous avez peur de moi. Vous savez que moi, là, je peux vous dire ce que je pense sans état d'âme. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes minables dans la tête. Vous êtes pauvres dans la tête. Vous ne connaissez pas vos valeurs. Vous ne savez pas que vous, vous pouvez être des députés, des maires et des présidents. Menez des luttes qui vont faire demain que vos propres enfants soient des présidents. Moi, je connais des gens qui ont des enfants de 30 ans, 35 ans. Et ils viennent faire vidéo et puis m'insultent. Alors qu'au Burkina, il y a un qui a fait coup d'état, il a 32 ans. Vous l'applaudissez. Et ici, vous venez insulter sa soeur. C'est triste. Donc, la pauvreté, elle est d'abord mentale. Si l'Afrique, il y a des coups d'État, il y a des avancées du djihadisme, du terrorisme, le putschisme, c'est parce qu'on a une pauvreté mentalement, on est pauvre. On applaudit les coups d'État, on applaudit les rébellions, on applaudit les insurrections. On dénigre ceux qui, nous, qui veulent ouvrir nos yeux. On dénigre ceux qui veulent développer le pays, comme le président Ouattara. Ceux qui veulent faire avancer le pays pour que vos enfants soient heureux demain. Vos enfants aient accès à l'école, à l'éducation. Vos enfants soient dans de bonnes conditions. C'est ces gens-là que vous insultez et vous applaudissez. Babou, tu n'as même pas été capable d'empêcher une rébellion. Il n'a même pas été capable de désarmer Soro. Il n'a pas été capable de mater Soro. Il a appelé jusqu'à l'armée française de venir s'interposer entre lui et Soro. Ces gens-là, vous les aimez. Mais ceux qui font les ponts, les échangeurs, les hôtels, les grands restaurants, le pays est beau. Vous, ce n'est pas votre problème. Parce que vous êtes plus que des moutons. Oui, c'est vous les vrais moutons. Les animaux, là. Quand on dit les animaux, c'est vous. C'est que qui vous manque. Vous seulement, là, c'est que qui vous manque. Sinon, vous êtes des pires. C'est pas moi que vous allez insulter. Parce que si c'est injuste, je vais vous insulter aussi. Celui qui m'insulte, je vais l'insulter. Ça, c'est clair. Je vais l'insulter. Des analphabètes qui font des vidéos pour s'adresser à moi. Moi, mes parents, ils m'ont mis à l'école. Je sais lire et écrire. Je connais la différence. Je sais ce que c'est que la démocratie. Je sais ce qu'on appelle un chef d'État. J'ai fait des recherches. Je suis nanti. Dans ma tête, là, je suis nanti. J'ai des grands amis. Je discute avec des grandes personnes dans le monde. Je ne peux pas venir m'asseoir devant vous pour rester dans votre vision. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, chers amis, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Partagez énormément cette vidéo. C'était Patrick Zasso. Vous rassurez. Que l'objectif de Babou, c'est de pousser le président Ouattara à accorder une amnistie à Babou. C'est là que ils sont en train de faire. Parce qu'ils veulent qu'on se retrouve à une élection en 2025, où ils vont se venger. Mais si on tombe dans leur jeu, ils vont se venger. Ça, je vous le jure. Parce que quand on dit résultat des élections, les gens n'ont plus sentiment. Regardez au Tchad. Au Tchad, ils étaient là. Le petit là, après, il dit bon. Maintenant, on s'y se réveille aujourd'hui, 30 morts. 30 morts. Demain, on finit l'élection. Babou va rentrer dans le Bruce village, il va dire à ses parents.
j'ai gagné. Bédier va dire, il a gagné. Ouattara va dire, il a gagné. On va dire, allez, sortez, comme en 2020, en 2010, là, allons-y aussi. Boubou, dans ça, ils vont armer des gens, des djihadistes, des terroristes, ils vont tuer des innocents. On va dire, c'est le président Ouattara. C'est maintenant qu'ils vont dire à Bensouda, maintenant Ouattara a fait. Apprenez Ouattara, amenez-le à la CPI. Amenez-le à la CPI. Mais demain, là, si le président Ouattara organise des élections et met quelqu'un d'autre tranquille, il se repose. Donc, soyons intelligents, ne tombons pas dans de faux jeux. Ne nous laissons pas distraire. Voilà, ne nous laissons pas distraire. Vous comprenez? Soutenons notre président de la République et puis avançons gentiment. Que Dieu vous bénisse. Ne tombons pas dans le jeu de Gbagbo. Ne tombons pas dans le jeu de Gbagbo. Ne tombons pas dans le jeu de Bédier. Ne tombons pas dans le jeu de Soro. Eux là, ils ont échoué. Ils ont échoué. Soro a dépensé beaucoup d'argent, il veut être président. Aujourd'hui, voilà, il est isolé. Il se promène partout, lui seul. Il a maigri, on dit, il est malade même. Soro est malade, moi je sais, il ne se sent pas bien. Soro ne se sent pas bien, parce que ce n'est pas facile. En octobre 2020, il s'est investi. Soro s'est investi à notre... Quand il a donné de l'argent aux cyberactivistes, le quoi, ils ont parlé, mais nous, on les a canalisés. Donc, ils sont très jaloux. Quand ça dit, et quand ils voient Zasso comme ça, ils ont mal. Parce que quand ils finissent là, quand Zasso vient s'asseoir, il ne sait plus quoi dire. Il ne sait plus quoi dire. Soro a investi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Soro a tous les problèmes. Donc, restons solidaires, restons famille, restons ensemble, ne nous laissons pas distraire. Nous avons de grands défis à relever. Notre président, ne l'amenons plus dans une élection à Gbagbo. Il est trop, il va être à tel niveau où il ne va plus aller à une élection à Gbagbo. Sincèrement. Il a tel niveau. Il a nos élections à quelqu'un, il y a eu 2000 morts, 3000 morts. Vous voulez encore le ramener encore dans la même élection à Gbagbo encore? Avec Bétier? Non. Vous aussi, vous exagérez à la fin. Vous exagérez à la fin. Quelqu'un qui a construit le pays, il a travaillé le pays, il a développé. Vous allez l'envoyer demain, vous allez prendre leurs partisans qui n'ont pas honte là. Demain, vous allez les jeter dans les rues. Vous allez vous affronter. On va dire, il y a eu 3000 morts. On va dire, bon, on va traverser dans ce pays. C'est là que beaucoup vont m'appeler pour dire, Zasso avait raison. Zasso avait raison. Eux, ils cherchent un foufou. Eux, là, ils cherchent un foufou. Puis, eux, tous vont rentrer dans le gouvernement. Gbagbo Bédier, là, ils sont en train de réfléchir. Comment créer un mouvement? Et puis, on va dire, la communauté internationale, tout le monde va dire, bon, asseyez-vous. Eux, c'est ça, ils préparent. Eux, là, c'est ça, ils préparent. Eux, ils préparent leur vengeance, le match et retour. Mais si le match et retour a eu lieu, là, ça sera fatal. Ça, moi, je vous dis ça, la vérité. Ça sera fatal. Et c'est les innocents qui vont mourir. Je préfère protéger les innocents que d'aller encourager le président Ouattara. Il faut faire de Gbagbo candidat, Bédier candidat, et puis toi, tu vas être candidat. Alors, tu avais dit que moi aussi, je ne suis pas quelqu'un. Moi, je peux être candidat. Eux, ils ont quoi de mieux que moi, et puis votre candidat, et puis moi, je ne peux pas être candidat. Pourquoi? On aime notre président Alassane Ouattara. Mobilisons-nous pour choisir maintenant des cadres pour les positionner. C'est Zasso qui a parlé. Portez-vous bien, et puis on va se voir dans 2 jours, parce que c'est 2 jours. Je ne serai pas là. Je vous dis, je serai en Allemagne d'ici demain. Voilà, je vais en Allemagne, je vais pour 3 jours. Voilà. Non, 2 jours. Bon. Ok. Portez-vous bien et puis on ensemble. Bonne soirée.